Face, évidemment, c'est pas Tails. Attention Google. C'est un pile, donc c'est Tails. Donc on commence avec Tails pour ce soir et on terminera avec le meilleur, comme le veut l'expression, avec E102. Donc bah, écoutez, moi ça me va. C'est parti. Here I come, Sonic. Incroyable. Bravo Tails. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Uh-oh, what's this? I'm going wrong. No! Et là on voit quand Sonic voit Tails se crasher au début du jeu. Tails, wow. Voilà. Le poteau. Vraiment, ces articulations, elles me font trop rire, quoi. Ça, c'est vraiment... ça n'a pas vieilli, quoi. Wow, Chaos Emerald. Attention, il va le dire. It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply. Ah oui, c'est ça. No way. Je crois que c'est pas le même dialogue hein, avec le... avec la route Sonic. C'est comme dans Dragon Ball, genre le résumé, il est pas doublé pareil que l'épisode. Genre, je vais en finir avec toi, Son Goku. Ça va se finir maintenant, Son Goku. Et voilà, on joue de Sage, c'est incroyable parce qu'il peut s'envoler. Enfin, il y a trop de flottage aussi. Regarde-moi ça, ce design, quoi, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien, tout est bien. Attends, regardez, il peut même faire des gros coups de queue dans la gueule des gens, là. Oh, c'est toi qui t'es craché en avion, est-ce que tu vas bien? Allez, parti. Comment il est pété, Tails. Je pense que c'est le plus pété en termes de mouvement. Il n'y en a absolument rien à foutre. I don't give a shit. Oh, les chaos sont tellement mignons. Regarde-moi ça. Comment il s'en fout, Tails. Il n'a pas que ça à faire, lui. On la lui fait pas, lui. Voilà. It's your jet anklet. Its jet power makes you fly faster. Voilà, on vole encore plus, donc ça attend encore plus le bordel. Regarde-moi ça. Ouh.
Et maintenant on peut se tirer comme ça. On peut me la, Twinkle Park, si il veut, il s'en fiche. Ah non, peut-être pas maintenant. Enfin, je crois pas qu'il est Twinkle Park, t'as raison. Ouais. Hop, bon. Faut qu'on aille. Un Mystic Runes. Alors la Tails, ça va être globalement toute une reprise de l'histoire de Sonic jusqu'au ce moment où ils se séparent les deux. Ils se séparent parce que il y a des différents, dans le groupe. Hop. Ok, je vais voir. Hop. Par contre, franchement, Yu-Gi-Oh, là, je suis devenu drogué. Hein. Master Duel, là. Je suis en mode, voilà, une petite partie. Allez. Bon, une petite dernière, allez. Silence. Oh pardon. Je fais beaucoup de bruit dans mon micro, désolé. Pas spécialement compliqué. On a déjà affronté avec Sonic, bien sûr. C'est-à-dire que là, Sonic est totalement en mode figuration sur le côté. Il a fait Sangoku contre Cell, hein. il a envoyé Gohan à la place. Full power. He's not gonna get away with this. He's Alors Tails, je crois que c'est celui qui a le plus de niveau. Hein. Il s'est moins fait carotte que Amy notamment. Donc, il est vraiment celle qui a vraiment plus de chance. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi Tails n'a pas vraiment de niveau très originaux quoi. Il n'a pas une mécanique de gameplay en particulier à part le fait de voler quoi. Globalement il refait les mêmes niveaux que Sonic et de la même manière que Sonic quoi. Il y a juste un ou deux stages qui sont pas les mêmes et il aussi a quelques boss. Il a aussi un boss original aussi. Voilà, Eggman se fait caca dessus. Bonsoir T-Quick. J'ai tiré à pile ou face et c'est elle qui est tombée, donc on garde le meilleur pour la fin, comme on dit. On garde E102 pour après. J'ai dit E102 sur l'habitude, non, on dit plutôt Omega 102, bien sûr, mais. j'aime bien dire E102. Ah, j'ai eu peur de l'avoir loupé, non t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas mon ami, je viens tout juste lancer dans le stream, bien sûr. On n'avait pas encore vu cette cinématique, hein. On apprend beaucoup de choses. He will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. You ready, Chaos? Let's go find the next enemy. Come on! Amène-toi, mon frère, Chaos. Allez.
Eggman et son et sa troupe. Thank goodness they're gone. Good riddance. Good riddance. We can't let that monster get any bigger. It could get ugly. You're right. Chaos must be stopped. And he can be if we keep him away from more emeralds, right? So ah oui, c'est en Spider-Man 3 qu'il bat l'homme sable, il fait Good riddance. Hop. Bon débarras. Oup. Regardez Tails, il s'en fout là, le Tails. Il n'a rien à faire, lui. Il va là s'il veut. Voilà, il n'est pas limité comme tous les autres, lui. Rien ne l'arrête. Ouais, j'ai directement été récupéré super chaussure, les petits. Voilà, la mémoire toujours là sur ce jeu, tellement je le connais. Oh, mais c'est la liberté, quoi. C'est la totale liberté, Tails. Et ça, c'est beau. C'est vrai qu'on a jamais été. Pas genre un œuf, un cul. Ouais, c'est ça, bah oui. C'est où qu'on ressort? Ah oui, ça, ouais, c'est, en fait c'est des textures, mais elles sont tellement... on dirait qu'elles sont collées, quoi. Ah, je pensais que tu l'avais laissé là exprès. Non, j'avais juste oublié, j'avais oublié en fait. Ça, j'avais oublié de le prendre. Contrairement aux chaussures. Mais bon, des chaussures, c'est mieux qu'un bébé quand même. Parce que les chaussures, ça nous sert à leur marcher dessus. Allez hop! Et voilà, après ça va encore dire que je suis monstrueux dans le chat et tout. Pas gentil, voilà. C'est vous qui êtes des monstres là, à me juger et tout. Voilà, hop, regarde, il va éclore le petit. Waouh, regardez comment il est stylé! Comment il est stylé, regardez! Une nouvelle vidéo qui nous vient de Sean sur Marne. Ah, quelle famille maladroite, hein! Vous avez le même regard. Tails, la tondeuse. Hop. Ah, il s'arrive, il faut ce truc là. Où est-ce qu'il est déjà? Où est-ce qu'il est déjà? J'ai oublié. Où est-ce qu'il est déjà? Devant chez Tails, je crois. Ah oui, je suis couillon. Je l'ai même pas vu. Hop. Hop. On va se voir, c'est-y. Windy Valley. Papin, papin. Et on fait la course contre ce. Enfoiré, ce dit combien?
Allez hop. Wouhou. Là c'est craqué. Bonsoir Manchot. Et oui, Sonic va vous parler. Est-ce que tu vas bien, mon cher? Hop, Tails. Et toi, Tails, Akati Quick, ça va quoi? Je vais même pas demander si ça allait, T-Quick. Et oui, j'allais t'appeler Tails, hein, effectivement. Tails, un perso qui était un peu détesté pendant un temps. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un perso rigolo. Déjà, il est très mignon, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, j'aime bien son design, quoi. Puis, je sais pas, c'est le poteau, quoi. Tails, c'est le poteau. Hop. Et puis, il est très drôle dans Sonic Boom. C'est un peu le perso qui subit les... les bêtises des autres, quoi. Genre, c'est toujours à lui de réparer les conneries des autres, quoi. Puis même, des fois, même Robotnik, il est tellement... il est tellement à la ramasse qu'il est obligé de demander à Tails un coup de main, quoi. Ah, pourquoi? Je sais pas pourquoi ça a bugué tout à l'heure. Bizarre. Voilà, on a gagné. Salut Valentin, ça va? Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont demandé, vous n'avez pas raté Omega, c'est juste qu'on se le garde pour après. Qu'on appelle E102, bien sûr, comme des vrais. Ouais, je vais bien, j'étais au ciné hier, j'ai été voir A Nightmare Alley, dans Guillermo del Toro, que j'ai bien apprécié. Ouais, il avait l'air cool. Ça avait l'air cool, la bonne annonce, c'est vrai que... je le garde. Ah oui, c'est Gamma, oui, je suis con. Pff, le débit. Gamma pour Omega. C'est ça, Omega, c'est l'autre, là. Dans Sonic Heroes. C'est Gamma 102, c'est ça. Mais bon. Appelons-le E102, comme j'ai toujours fait toute ma vie. De toute façon, ça n'a pas changé. Que quand t'es petit, tu prends des mauvaises habitudes, et après... Enfin, t'arrives pas à t'en décroter, quoi. Hop. The train headed for Station Square will be departing soon. Oups. Allez, maintenant, on va à Station Square. Et normalement c'est Casino Night. Hein. Très bien, c'est vrai. Voilà. Voilà pourquoi se faire chier avec Tails. Hein. Non, c'est Casino Police, bien sûr. Casino Night, c'est un autre niveau. Hmm, ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai qu'il est comme ça, le niveau avec Tails, j'avais oublié. J'avais complètement oublié ça. Ready. Hey, hey, hey. Non, Sonic, tu vas te faire voir. See you later, Tails. C'est toi, see you later, mec. Hey Tails! Hey, hey, hey! All right, Tails! Merde! You made it! Come on! Oh merde, il y avait une vie! Ah, tant pis. Bon, on va au moins prendre les ringues. Bah, dépêche. Hooray! Hey Tails. Qu'est-ce que t'as, Sonic? Foiré, ouais. Hop. Sonic, mon pire ennemi. Et voilà, je vais craquer. That wasn't too bad.
What's that? The Chaos Emerald. Get away from there. Ah! Yeah. Not tonight. Faites beau rêve. Sonic, what happened to the Chaos Emerald? Eggman got one of them, but the other one saved. Les lendemains de cuit, difficile. Now the Emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on. Hop. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Et on se casse. Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge un petit peu sec. Casino Night dans Sonic 2, j'ai fait du jackpot, on va faire des time over. Ah ouais, à ce point-là. Genre, ah, j'ai plein de thunes. Ah bah oui, mais le... Tu peux plus, maintenant. Ok, let's go. Je crois pas qu'on... Je crois pas qu'on soit déjà... On s'est déjà demandé notre niveau préféré dans le jeu ou pas. Sinon je vous le repose. Hein. C'est quoi votre niveau préféré? J'aime beaucoup Escape. Ah ouais, en plus c'est direct la phase de la course. Ah, c'est parfait. Tails, il garde que le meilleur en fait. Ah, par contre, les contrôles inversés, là par contre, tu vas rater ça tout de suite le jeu. Remets-moi la bonne caméra. Ah, je crois que c'est comme ça tout le niveau quoi. Oh non, c'est l'horreur. Ah, c'est bon. Hop. Hop. Côté quick, t'es toujours sur Sonic ou tu changes de jeu là, tranquillement? un gros bruit dans le couloir. Hey, hey, hey. Ok. Hey, hey, hey. Ouah. See you later, Tails. On bouffe les deux. Ouh là, je sais pas si on va faire ça celui-là. C'est vrai que je peux pas gruger en volant là. Tout droit. Oui, c'est bien. Voilà. Bad.
On est parti. Donc là, c'est la bagarre contre Knuckles, bien sûr. The train headed for station square. Hey Knuckles, what's up? What are you doing, Knuckles? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick! No way, Knuckles! Hop, bagarre. Oh no. Oh no. Oh no. Voilà, une grosse baston. Give it your best shot. Oh no. Oh no. Appelé. Was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, Knucklehead. Four! Count them! Four emeralds. I summon chaos. Come forth. Oh no! It's changing again! We gotta stop this fast! Hop, c'est parti pour la troisième fois ce combat. C'est toujours aussi bizarre. C'est déjà bien pété avec Knuckles, alors imagine avec Tails maintenant. Voilà. Alors. Vas-y, monte ta tête là. Ok, let's go. Voilà. Voilà le vaisseau qui revient.
Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison to the power of Chaos! Adieu! Until we meet again, my friends! Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Ça, l'aventure de Tails est sympa, mais c'est pas la plus intéressante. Hein. Let's get going. C'est sympa parce qu'il y a plein de niveaux, mais bordel, les cinématiques. Faut se les refarcir, quoi. Hop. Youp. Par contre, là, je crois qu'il va être séparé de Sonic après ça, du coup. Sonic, hop in. C'est parti. Ah ouais, grosse musique hein. Je vais tirer sur le soleil. I'm gonna piss on the moon. On rappelle que là, Sonic et Tails ont des modèles low poly. Ils sont plus sur Saturn que sur Dreamcast là. Alors si vous regardez bien Sonic, c'est du Sonic R là. Et hop, ma baille. Arc dépression.
That dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Hop, c'est parti. Les petits rêves nostalgiques. Alors. No trains are currently in service. Où est-ce qu'il faut aller déjà? Ah, c'est peut-être dans la forêt. Hop. Alors. Ah bah lol. Wow, there's a Chaos Emerald. Ah. Froggy. C'est trop stylé ça. Voilà, un niveau bonus. Trop stylé ce niveau. Ça sort vraiment du sol par contre. Hein. Je suis en plein milieu de la jungle, tout ça quoi. Yeah. Très court. Hein. Merci du quick. Où est-ce qu'on est? C'est encore être à la fontaine, je pense. Ah non.
Alors, où est-ce qu'il est l'autre avec son père là? Tu appelles ça la fontaine? Bah oui, c'est une fontaine, voyons. Hop. Une grosse fontaine. Y'a pas genre un truc à récupérer? Ouais. Le déclic avec Valentin. Alors. Ah, bravo Valentin qui spoil. Honteux, c'est honteux ça monsieur. Hop. Ah, c'est là. C'est vraiment au pif. Ouh, elle a un joli ruban. You found the rhythm badge. Ah, c'est un badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Ah oui, d'accord. Regardez, il break. Il fait du break. Hop. Ok, maintenant on va ici. The servers are the seven chaos emeralds. Hello there, friend. How are you? Ouais, mais c'est le seul qui parle. What were you saying before? Huh? It's something my grandmother taught me. Ouais, elle le voit. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the seven chaos. Chaos is power. Power enriched by the heart. C'est profond. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number 7 is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal, and you are? Ouais, c'est pas souvent qu'il y a le niveau de nuit là, comme ça. Hop, c'est joli. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. Il flotte, il est en train de flotter là. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Thank you.
Ah, c'est donc ça le truc qu'on avait vu. J'avais oublié. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Oh, il est trop bien ce thème. Now what do you say we nail those guys? You got it. Hang on. On va peut-être penser à faire un avion à deux places quand même, Tails, un jour. Et c'est reparti. Je crois qu'il nous reste deux niveaux et peut-être deux ou trois boss, je crois. C'est vraiment de la gueule cette phase. Non, elle est trop bien. Désolé, petit souci, maintenant c'est arrivé.
Let's go. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais la chronologie des médias a changé en France, me semble-t-il, là. C'était acté depuis aujourd'hui, je crois. Hop, donc ça va être genre 6 mois après ça. Donc en gros, chronologie des médias, qu'est-ce que c'était? C'était le truc qui empêchait les services de VOD, enfin les trucs d'abonnement, genre les Netflix, les Disney, les Canal+, tout ça, d'avoir les films, qu'ils attendent 3 ans, il fallait qu'on attende 3 ans après la sortie cinéma pour avoir les films sur les services de VOD, parce que bien, c'était réservé en priorité à la télé. Mais ça a changé du coup, maintenant c'est 6 mois pour Canal+, genre je crois que c'est 12 mois pour Netflix et 15 mois pour Disney+, et le reste je crois. Donc c'est cool, ça va, en gros on passe de 3 ans à 1 an plutôt, un an et demi quoi. C'est plutôt sympa parce que du coup c'est vrai qu'on aura plus, rapidement les trucs cool quoi. Et c'est vrai que bon, dans d'autres pays c'est au bout de 3 mois quoi, mais bon, on va déjà faire avec ça quoi. Si n'a pas signé l'accord, je crois. Ah, ça c'est moche. J'ai eu l'info circuler. Ah bah il faudra. On va essayer de voir vérification du côté de chez Disney. To get a lot of this. Osborne Z. Ah, je me demande où est-ce qu'il est le le Sky Bridge. So, this must be the sky deck, huh? Mais je crois que j'avais déjà dit, mais c'était devenu un gros mème ce passage. Genre mode, haha, tu trouveras jamais le chemin jusqu'à ma forteresse. C'est une bonne chose car d'après les infos, Netflix est un peu dans la merde niveau finance avec le fait que les plateformes attirent pas beaucoup de monde avec le connectif à la plateforme. Yes. Ah bah c'est vrai que Netflix, ils ont des gros succès des fois, mais ils n'ont pas non plus. Je pense qu'ils aimeraient avoir plus de Squid Game tous les mois quoi. Le truc c'est que tu peux pas créer l'événement tout le temps quoi. Les grosses séries qui ont réussi à créer l'événement, c'était quoi Netflix, enfin c'était The Witcher, Squid Game, Le Jeu de la Dame, Stranger Things bien sûr. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui prennent un mois et regardent le truc qui leur plaise, après ils dégagent quoi. Ouais. Bon, après, c'est pour moi qui vais aller pleurer chez Netflix. Hein. On commencera à pleurer quand ils payeront leurs impôts. Voilà. Ça sent le parfum. Je sais pas si c'est. Ouais. Est-ce que c'est mon parfum qui sent comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Ouais. Parce que je sais plus si j'ai eu du parfum avant de venir en stream. Une autre question. Hop. See you later, Tails. Parce que je sens une forte odeur. C'est peut-être quelqu'un qui a bourré qui a bourré dans le couloir, je sais pas. Peut-être que je retrouve l'odorat après le Covid, je ne sais pas. Que j'ai eu le Covid depuis tout ce temps. Hop, attends, je viens de tourner en rond là. Ah merde, c'est par là. C'est vraiment un gros bordel avec Tails celui-là. Attends, mais je suis revenu au début. Oh, c'est infâme. Oh là là. Putain, je me souviens que j'étais.
Ce niveau avec Tails petit, déjà, c'était ma hantise. Maintenant, ça l'est encore plus. Faire un effort, oui, mais c'est relou. Ah, c'est l'odeur, ça m'a perturbé là. Genre, je stream tranquille, hop, il y a une odeur qui arrive dans mon nez là. Ouais, Mani, t'es tranquille chez toi là, tu sens une odeur bizarre qui sort de nulle part. Comment tu réagis? Peut-être quelqu'un qui a mis le feu, je sais pas. C'est bon. Voilà, niveau plus court avec Tails qu'avec Sonic. Hein. Aussi, c'est dommage. Ça m'avait souvent que j'habitais avant. Chanter les horaires de club, venir du couloir, c'était pas très... Ouais, c'est ça, je pense que... Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a dû passer dans le couloir avec plein de parfums, quoi. Et c'est aussi du fait qu'ils se sont fait massacrer par Amazon Prime et Disney+. Ouais, c'est vrai. En même temps, Amazon et Disney, c'est déjà des entreprises qui ont déjà un gros portefeuille, quoi. Alors que Netflix, ils ont que Netflix, entre guillemets. Surtout, ça dépend surtout de ce qu'ils proposent et du succès des séries. Que des games qui font des cartons à sortie, mais des séries qui n'ont pas de succès, qui sont abandonnées au bout d'une ou deux saisons, comme ça a été le cas pour Live Action Cowboy Bebop. Ouais, en fait, c'est ça. Genre... Disney et Amazon Prime, ils balancent moins de séries, mais à côté, j'ai l'impression qu'ils dépensent, ils font plus gaffe à là où ils dépensent la thune, quoi. Alors que Netflix, ils ont un peu tendance quand même à foutre de la thune sur des trucs pas très intéressants, quoi. Dans le live action Cowboy Bebop, tout le monde leur disait d'avance que ça allait être naze, et ils l'ont fait quand même, quoi, donc c'est un peu... En fait, j'ai l'impression qu'ils bourrent au pif un peu partout, jusqu'à avoir des succès, quoi. Ce qui peut être bien pour des petits projets un peu plus... Enfin... Parce que ça peut mettre des projets originaux en avant, parce que c'est vrai que Disney, bon, c'est surtout du Marvel et du Star Wars, quoi. Mais bon, c'est vrai que Netflix dépense dans des trucs cool plutôt que de juste des bêtes adaptations d'animes. Donc très peu d'intérêt, hein, finalement. D'ailleurs, c'est One Piece là qui va arriver, là. J'ai la même chose chez moi. Voilà. Est-ce que vous aussi, des fois, vous sentez des odeurs bizarres? Ouais, DB a mis les premiers jeux du top 100 génération Nintendo. Donc pour rappel, donc Dragon Blue, l'administrateur de génération Nintendo, avait demandé aux gens d'envoyer un top 30 de leurs jeux préférés sur console Nintendo. Ensuite, avec ça, on fait un gros top 100. Et du coup, il a dévoilé les 5 premiers jeux, donc de la place 100 à la place 96. On a Wii Music, voilà. Celeste, Final Fantasy 7, ça c'est pas dégueu les deux là. Street Fighter 2, bien sûr, je sais que je l'ai mis dans mon top. Et Super Mario Bros. Version Deluxe sur Game Boy Color. Oups. Donc la bagarre contre E102. Oups. On va vite zoomer. Voilà, parfait. Très dur, hein, très très dur le combat. Donc
que tous les jours il va poster 5 jeux jusqu'au top 100, enfin jusqu'au top 1 plutôt. I missed the part where that's my problem. You have your reasons, I guess. Hey, this ship is losing altitude. Hurry, Tails, take Amy and get out of here. C'est vraiment Tails le héros dans cette histoire, c'est trop drôle. Gamma qui a été joué dans un seul autre jeu, je crois. Ça ne dit rien. Peut-être dans un spin-off bizarre. Mais dans les jeux principaux, je crois pas qu'il soit revenu. Après, t'as Omega dans Sonic Heroes là. Ah, dans Sonic Shuffle, enfin, tu sors de loin ça. Tu sors de très très loin ça. Mais bon, en même temps, c'est difficile de le faire revenir, Gamma. C'est compliqué de le faire revenir. Effectivement, après, c'est plus ou moins Omega qui a pris sa place. En moins bien, faut quand même le dire. Attends, reste là. That's Eggman. I wonder what happened to Sonic. Oui, oui. I'm finished. Chaos was defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway. Tout ça. If that missile is launched. Ready? Fire! Oh oh. I can't believe this. I can believe I'll this. Deal with this myself. Oh no! I'd better get to that missile before he detonates it. Ah, du coup, est-ce qu'il a speed highway ou pas? Moi, je crois qu'il a speed highway du coup, Tails. Ah, ça, il fait un trou dans le truc et tout. Oh, les souvenirs. The fate of Station Square depends on me. Oh. Sonic. I've changed a lot since I started hanging with Sonic. Yeah, yeah, yeah. But I can't depend on him forever. Oh, shonen. I know I can do this by myself. Okay, Eggman, bring it on. Oui, il est trop stylé, Tails. Il va lui péter la gueule. Là. You think you can keep up with me? What? He's caught up. Je suis content qu'il soit dans le prochain film. Ouais, surtout que lui, il va avoir sa vraie VF, lui. Lui, il a sa VF. Contrairement à son pote bleu, là.
Oh, ce niveau, bordel, les gars. Oh, petit, mais oh, il me faisait rêver, quoi. Hop, attendez, j'augmente juste le son. Hop. Parce qu'une belle musique comme ça, ça s'écoute, les gars. Hop. Enfoiré. Ouais, là, le level design, il est enroulable. Oh, fous-moi des plateformes partout, vas-y, c'est bon. Hop. Allez, dans tes dents, Eggman. That wasn't too bad. Dommage qu'ils lui ont fait perdre, qu'ils lui ont fait perdre son courage dans les opérations. Ouais, c'est... Genre, il y avait du Karadev, puis en fait, non. Et après, c'est juste redevenu... Aide-moi, Sonic! Boum! Hop. La grosse bagarre. Away before I make mincemeat out of you. I'm not scared. Là, il y a pas de musique et tout, genre Eggman, il a moitié flippant ce passage là, il en mode je vais te tuer Tails. Je vais en finir avec toi. Le Eggwalker, a weapon to surpass Metal Gear. Alors, il faut genre taper sur ses petites jambes. Ouais, c'est ça. I can believe it. Oops. No way. I can't believe this. Metal Gear. Le feu. Get a load of this. Non. No way. I can believe. Appelez. Oups. Ah, c'est moche. Qu'est-ce que tu vas faire avec Man gros nul? Ouais, ouais, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que t'affiche là? The Man. Ah si, on l'avait vu avec Knuckles, je me souviens. Merde, je suis couillon. J'étais. L'affiche m'a fait perdre le fil. Attends, tape-le. Non! Si, moi j'y crois, boum. He's not gonna get away. Hop. Ouais.
Ok, le rajout Eggman. J'ai eu peur. Wow, super Tails. Hop. Et ben en vrai, ça aurait été à peu près aussi long qu'avec les autres. En vrai. Peut-être parce qu'on a, on a été assez rapide. En vrai. Mais bravo, bravo, Tails, bravo, oui. You saved the day. You're the best. Wow. Oh. Allez chez vous. C'est le GG. L'amitié est plus fort que tout. Voilà, c'était l'aventure de Tails. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est émouvant, je suis ému, bordel. Voilà, June Senoué qu'on applaudit bien sûr. Warner Music Japan qui distribue les musiques après. Japanese character voice, quite a bit. Voilà, à l'époque il y avait Sega of America et Sega of Europe, c'est beau ça. C'est beau.
C'est quand même fou qu'ils avaient réussi à faire deux Sonic sur la Dreamcast, alors qu'elle a vécu moins longtemps que la Saturn, je crois. Alors que la Saturn, il y en a genre la 0, quoi. Enfin, il y a Sonic R, mais est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Évidemment, il y avait un fameux proto d'un Sonic sur Saturn. Il y a des images qui traînent sur le net, hein. Même des vidéos, je crois. Voilà, le principal jeu de la Sonic Team sur Saturn, c'est Knights, quoi. Wouh! Voilà, c'est fini, incroyable. Tchouding! Bon, on y est, les gars. On va pouvoir faire le chouchou de tout le monde. L'aventure qui a fait pleurer petits et grands. Bam, Sonic c'est fait, Knuckles c'est fait, Amy c'est fait.